Alors, une histoire du vin veut signifier un peu les rapports des hommes avec leur boisson préférée, le vin. Et ça remonte à 8000 ans, puisque 8000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait quasiment 10 000 ans que l'homme a rapport au vin. On voit les sociétés qui représentent ces relations entre l'homme et sa boisson. Tout particulièrement quand on analyse la situation en France, parce que je passe rapidement les millénaires et les siècles, mais on se rend compte que progressivement va s'établir en France une civilisation du vin, toute particulière, puisque le vin représente, j'allais dire, seulement 70% des boissons de la population, mais le vin entre dans les têtes aussi bien que dans la bouche, par la poésie, par la peinture, par donc les arts, mais aussi les sciences et l'économie, évidemment. Ce qui fait que la situation française du vin va devenir extrêmement originale et diffusée sur le monde. Donc je parle vraiment de la manière dont ce vin est représenté dans les sociétés. Alors c'est justement une espèce de démocratie du vin qui s'établit à partir de la Révolution française, à partir du moment donc où le peuple acquiert le droit de vote, il acquiert en quelque sorte le droit de boire. Et en même temps, la production s'étend sur l'ensemble de l'espace national, hormis le Nord-Ouest, mais de manière à ce que tout le monde peut avoir accès au vin. Et quand on n'a pas de terroir de proximité, on a toujours une circulation du vin qui remonte jusque dans le Nord, jusqu'en Bretagne, etc. Donc qui permet effectivement cet accès au vin privilégié et qui va faire donc du vin la boisson nationale par excellence. Ça se remarque tout particulièrement au moment de la Première Guerre mondiale avec le fameux pinard, le vin des poilus, qui va finir par gagner la guerre, entre guillemets, mais comme l'avait remarqué Pétain. Donc voilà, je crois que c'est cela qui fait l'originalité de la civilisation française du vin. C'est cette universalité et cette présence, cette prégnance même, de la boisson dans la société.